yo Kombo yo ya banko kona biso Dosa meli na nzambe Po abongisa kombo yo ya banko ko Nzambe ayo kelibiso Sima ya lumumba tozu imo butu oye Kongo nufo emonani Sika Afrika mobimba Bandimi ehe Oba sangana na Kongo Kongo nufo Afrika nouvelle Unité Afrika Vive l'OIA Vive l'Afrique Vive nouveau régime ya Kongo Population ya Congo, jeunesse nationale, va s'engager là pour va bongisa. Bongisa Congo et la limouya ya population, va congiba yo kanabatoi. Bongisa mboka eponi motute. Sur la monsala, le vrai il est pas là, donc on s'appelle à moi. Bisson banamique, ton sangani lelo, ton lobite, et quand on bongisa, ton localisanga bayana, bisson bakolo, la toi conseil. Et c'est là où on a mis nos bacs l'India émission les valets des siens. Vous avez mon émission, donc mon corps excellente émission que ça a vraie information politique au peuple paka. Mon corps a mis ce Congo démocratique. Ça fait pratiquement 23 ans. Le tout autant 23 ans. Donc au commis chiffre 2 au lundi c'est un chiffre à mis ça tout topé chiffre 3 au bac ici A lettre A N S. Qui veut dire que Moka et Zali bitent un problème, il y a occupation. Et ce qui est Congolais, bah colé la ka esclavagisme, il y a mis balé oyo et fondé le bon cas de Congo démocratique. Et Sengeli n'a pas Congolais, tu vas nous refaire la mise pour te banako sauver Moka na miso. Les deux Zali numéro spécial autour de là, kaka occupation na Zali. Ngamogote na plateau na la télévision na Zali accompagné na invité spécial. Na komba mama Sidonie Jemelas. Wa Zali Moka ba combattante kati na Congo démocratique. Na pesi mbote mama. Mbote mingi papa. Voilà, ensemble là maman, c'est le Niger Melas de quoi analyser par rapport à problème il y a occupation, il y a un beaucoup d'ambition Congo démocratique. Mais il y a beaucoup de côté la profondeur émission d'ambition na kosenga na régie ceux qui balengeli élément topé ba réaction quelques réactions ba police congolais au tozoa qui même ata bazali ko vivre na bazali versatile lelo ba koya ba koloba vérité ba par rapport à constat bazali le ba ko changer si ma ko rempli ba poche na bango mais du moins toza quand même na mayele na bango to telemili mayele na bango o ebombe na katimité na bango ke moko na misé na bité na problème occupation sans plus tarder ceux qui à balancer. Bon, tout le monde a tout commenté ensemble. L'invité, c'est parti. La difficulté du Congo RDC, c'est sa richesse. Puis-je rappeler que Laurent Désiré Kabila était allé chercher, on est allé le chercher parce que l'Ouganda et le Rwanda avaient décidé, sur ordre d'une puissance extérieure, je peux donner des précisions, d'envahir le pays. Puis-je rappeler que pendant que Laurent Désiré Kabila envahissait le pays, un certain nombre de sociétés signaient des contrats. C'était des sociétés américaines. Puis-je aussi rappeler que lorsque Laurent Désiré Kabila se retourna en étant un patriote pour son pays, on décida, ici à Bruxelles, j'ai eu l'information, je peux dire de qui il est décédé depuis, son élimination, et qu'on est allé à Washington chercher également l'ordre, et il fut éliminé 15 jours après. Et puis-je rappeler qu'on est allé chercher alors Joseph Kabila en se disant, ce jeune, on le manipulerait parce qu'il n'était pas il était de nationalité rwandaise et qu'on allait en faire un président. Face à l'occupation nazie, l'Europe n'est pas allée aux élections. On n'impose pas d'élections à un pays sous occupation. Je vous ai dit que ce sont les Rwandais. Vous voulez que j'exprime cela en quelle langue vous compreniez que ce sont les Rwandais? Ces messieurs ont trouvé trop de miel ici. Ils veulent revenir, ils ne veulent pas quitter ce pays. Le Congo est occupé.
M. Honoré Nguanda a dénoncé avant tout le monde dans le journal Jeune Afrique, économie numéro 323 du 15 janvier 2001, pages 16 à 18. La supercherie au sujet de l'identité de Joseph Kabila. Colette Brickman, journaliste belge du journal Le Soir, a elle aussi écrit, 4 jours après le 19 janvier 2001, dans son reportage au retour des obsèques du président Laurent Désiré Kabila assassiné, que Joseph Kabila était le fils adoptif de Laurent Désiré Kabila et que sa mère était une Tutsi. Le lendemain, poursuivant son reportage, elle a ajouté « La nomination de Joseph Kabila a mécontenté de nombreux Congolais car le fils du président défunt est à moitié Tutsi, ce qui n'améliore pas sa popularité à Kinshasa. De nombreux Kinois détestent les Tutsi assimilés aux Rwandais agresseurs au nez du Congo. » Tous les problèmes que nous avons sont des problèmes qui nous ont été importés des pays voisins. Les élections, il ne faut pas qu'on drogue le peuple congolais avec élections. Moi, je suis pour les élections. Mais l'élection en soi n'est pas une solution. L'élection ne peut être une solution que lorsqu'elle est faite dans des bonnes conditions pour apporter des solutions aux problèmes actuels. Mais si les élections, on veut simplement dire aux Congolais élections, nous avons vu le cas en Angola. Il faut que l'histoire nous apprenne quelque chose. Lorsqu'on a voulu imposer des élections dans n'importe quelle condition, entre le MPLA et l'UNITA en Angola, mais on a connu une implosion de violence beaucoup plus qu'avant. Il ne faut pas qu'on amène notre pays tout simplement dans la logique élection. Parce que si nous voulons parler même élection aujourd'hui, c'est beau. On dit, on fait élection. On parle aujourd'hui du recensement pour les électeurs. Mais on n'a même pas une carte d'identité pour un pays où le problème de la nationalité se pose. Alors je pose une question. On va recenser qui ? Sur base de quels critères on saura que celui-ci est congolais ou pas congolais? Alors, parce que tout congolais aujourd'hui n'a comme pièce d'identité que l'attestation de perte des pièces. Justement, je crois que vous le savez. Je le sais bien sûr. Le Congo est occupé. Et ils ont annoncé que Rwanda c'est le plus grand exportateur de coltan dans le monde. They even say that Rwanda is the biggest exporter of coltan in the world. Et je me demande comment on peut dire ça quand il n'y a pas de coltan au Rwanda. And I'm saying to myself, how can they say that when they know that there's no coltan in Rwanda? Donc, ils trouvent le coltan quelque part. It means that they go dig coltan somewhere else. Donc, ça, ils prennent le coltan au Kivu. That means they take coltan in Kivu. Et je ne vois pas de contrôle congolais sur cette sortie de coltan. Donc, le Congo est occupé. Je vous dis déjà que son chef était au Rwandais. Tout le peuple partout où je passais me demande de renvoyer ce Rwandais à Kigali. Sa place n'est pas ici, son chef de cette famille gouvernelle. De quel droit est-ce que lui peut oser d'ailleurs venir? Vous allez voir s'il va venir oser venir dans vos stades m'empêcher de tenir mon métier. Comment ça, tous au pouvoir Nabi, ça tous apprécier, ben, on va au Rwandais, ben, qu'il n'y a pas un au Rwandais, ben, moi, je suis pas besoin d'un avant. Il paraît que... Le Congo est occupé. Et tous les fils du Congo. Le pays étant occupé, un dictateur, un tyran, ne respecte pas un seul accord. C'était pas l'histoire. Le Congo est occupé. Mais mon cher ami, lorsqu'un pays est occupé, vous faites de la politique, vous êtes complice. Lorsqu'un pays est occupé, comme la France le fut, voilà, hein, au mois de juin 1940, eh bien tous les partis politiques français se sont dissous. Okay, et ils ont pris le maquis. C'est ce que l'UDP aurait dû faire. C'est ce que le palou du vieux Antoine Guézin aurait dû faire. Et les UDEMO et tous les politiciens congolais auraient dû prendre le maquis pour combattre l'occupant. Donc, en cas d'occupation, si vous faites de la politique, vous êtes complice de l'occupant. Point barre. C'est une loi universelle et le Congo ne va pas faire exception. Donc, le Congo aujourd'hui se trouve dans une situation de guerre de type ethnique. Le Congo est occupé par une ethnie, les Tutsis, venus du Rwanda. Le génocide, je dis les génocides, il y en a eu 4. Le Congo est occupé. Je le sais, je l'ai dit, je vous ai dit. Je sais que nous sommes occupés, je sais que Kabila est en train de nous dépecer. Le Congo est occupé. Mais bon, on a commis à voir. Subitement, on a eu beaucoup de temps dans le Kabakata, les Kamboyo, on a eu beaucoup de temps.
Dengue mboka eza kotekama, dengue bazo signé ba accord secret, dengue mboka eza sous occupation rwandaise. Donc eza di kambo document ba déclaration ya James Kabarebe o bayaka na ye comme chef d'état major général na biso. Lelo a komi ministre de la défense ya Rwanda ba déclaration a sali ndekowechi et puis singa na Mali li na nzoto to baki que a ko pacifier mboka zaki cheval de bataille na ye to mani pacification ya mboka te armée moko e salamite to za na armée te a sali na ko armée na biso e za la modernité te e za armée républicaine te ata armée moko to za na armée awa te ya misato nazo reproché ye na complicité na Kagame pour na kokata mboka na biso preuve d'ango ya ngwana pour koti si ba militaire rwandais belé na mboka na biso sans que to yeba ba yaki ko sala nini ba boto na biso mboka sikoyo ebimi poisa nazo reproché ye na motema mabe eza penza motema mabe soko oza na vraiment eza motema mabe. Le problème est que Kagame a dirigé et Rwanda et Congo. C'est ça la vérité. Donc, nous avons vendu, et nous avons vendu dans Rwanda. Pour Kagame a dirigé Rwanda et Congo. La preuve, tout le monde a une déclaration de James Kabarebe. James a dit que mi-colonions sont dans ma délégation. Bossa les habitants du Cambodge, hein? Bossa les habitants du Cambodge, hein? Bossa les habitants du Cambodge. Donc, nyoso e utaka kaka na Rwanda. Ebele abatu bazozo ba soko ngozo wa grade, il faut que Rwanda pèse accord. So ngozo wa poste ministériel, il faut Rwanda pèse accord. C'est le Rwanda qui dirige le Congo. Grave, telle est la complicité des années. Rwanda a formé ba militaire yon se panaye, a zui arme a koti si pa na biso, c'est comme si tous en agent sécurité était. C'est comme si tous en ba tout te ba informé ba konziawa, ba bandi ko attaquer biso. Mutaye bisi opinion publique nationale et internationale, nani ONG, Human Rights Watch. Non, Rwanda a commis attaqué. Gouvernement attaque, il s'agit de l'attaque. Rien, pas vendre dans la bangoué. Le peuple congolais, il y a solo, bandeko bazoula nanaï. Il faut tout comprendre, et ma cambo, ma dame, les gars, et aux réalités, les gars, n'ont pas besoin. Ça dit pouvoir, oyo, et appauvrir, tout, n'a tel point que Moutakomi esclave à l'Ibumunaye. Donc, ce qui Moutabimi, les lotés, à Koliate. Et pouvoir, ça l'ignore, et comme ça, tout, n'a niveau, wana, bah, kanisakaka, l'Ibumu, l'obi, n'a Kolia, nini, à quoi, quand ça t'est, vina yamboka kosa ndenge nini bano nazobota vina mango kenendenge nini mboko oyo bazo gérer non pona ye souci a liboso libumu na ye akoli ya lobi ndenge nini ezali un pouvoir diabolique oyo elingi ata batu ata bokete ezo sala nyonso to kufa d'une manière ou d'une autre. Justice à ce pays ezali justice expéditive sélective ezo pona mitu ya bato. Bato ebele batondi awa na place tovandi non na kisasa awa. Il fallait baza la place na mangoza awa te. Soki justice a CPI, la justice a solo. Nde baza kuna. Même la kouye mosika te. Likambo ya bundu dia Congo. Ba bomi bango awa. Crime contre l'humanité. Likambo ya arma tungulu. Likambo ya boteti. Likambo ya gangale. Lelo sous likambo ya diyo mindongala. Tout ça, soko poussanika mouke oké na Équateur, tango inyele yaki, n'denge babomi bat na Équateur. Qui en parle? Il faut Joseph Kabila Kabanga ebake, awa, Congo za monarchité. Azali monarque te. Congo zali respublika, la république. Pe, la république se gère na façon mi balete. La république se gère à travers les lois et la constitution. En dehors de la constitution, Namibeko, façon Moussousou Yako gérer Respublika et Zalite. Il n'a pas à nous apprendre quoi que ce soit. Et on ne peut pas gérer toute une république comme on gère sa poche. Nous disons non. Advint que pourra. Et peuple à reprendre acte. Nous avons peur de prendre acte.
Pe même ceux qui te couvrent bah vous jugez bien sur un bateau camboka. Comment ça n'angote? Bateau yo bah vous nana Hitler, Fondation Wiesentan. Et l'endroit bah vous tire les yo. Bah vous souvenez à 96 ans mais bah vous souvenez ensemble ça bah vous ils seront jugés par nos fils et nos petits-fils. Bah vous allez juger. Bah vous voyez bah que na telle année na législature boyez a qui bah tout boyez. Les camboyés sont là, ils 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 sont là. Le Congo est occupé. Bande Koyo, Balanda Kabiso, Bayepi très bien que Makamboya Barwande et Utikala. Déjà, au lendemain, il y a Kokota, il y a Banane. Il y a Kabila Aftel. Tout ça qui est un discours, tout ça qui est une émission, tout comme qui, Bakanga qui est pendant deux ans na Makala. Nous étions condamnés pour 20 ans parce que tout dénonçait qui Makambo ya ba Rwandais que Mboka Eza occupé et bandit les lotes. Mosengo a eu qu'on reprendre Yango, les loyaux, un message naïe que Mboka Ezali occupé. Donc, il y a les lotes. Tout est bien, très bien, très bien. Bah ouais, bah zo kambabiso, bah civil, bah militaire, bah expert à la banque centrale, pas ça bah rwandais, service de renseignement, pas ça bah rwandais. Tout est bien, très bien. Mais le malheur est que tout zo comme on a pas de konabiso. Baye bi que ba chef na biso ya lelo baza ba Rwanda mais bazo ko sale la bango bazo ko lobela bango bande ko ya Kivu e pa na bango ba Rwanda bazo ko buma pratiquement chaque jour basala ka eloko moko awa na Kinshasa pe. Mais bayokaki mikolo eleki que ba mai mai ba attaquer ndako ya Kabila bango nyonso ba député ba futaki ba biye ba keyi kolela ndako ya Kabila oria ya kolela bande kona bango oyo zo kamwisa biso ndako tala ndenge nini ba saboter ndako ya président mais quand on tue batata na bango ba frère ba sœur na bango ba kenda ko kokoma na esika ya matanga ndako wana etali bango en quoi ba ke yuko lela ndako olia kolela bato ba ndako ba ndeko ba parent na bango eske bango ba okota ata mukolo moko na ndako wana bakolala na ndako wana bakolia mukolobo na ndako wana. C'est ça la stupidité ya ba congolais mususu. Oui mais monseigneur aza congolais abotama congolais abotama cardinal te abotama sango te azali na bande konaye du clan de famille de la province. Il était où depuis longtemps? C'est ça le problème. Monse- le Congo est occupé. Parce qu'il y a la pauvreté ici. Pourquoi il y a la pauvreté? C'est pas la pauvreté parce que le gouvernement ne veut pas travailler. Le gouvernement a une autre mission. Comment le pays est en train de disparaître? Il y a la balkanisation. Maintenant, vous voyagez aux États-Unis. Les États-Unis et autres pays, il y a la balkanisation. Quand vous arrivez chez eux là-bas, et ils vous dictent ce que vous devez faire.
ce qui soda na bisa ninga kanga ba soda ya balkanisation ya bango kuna or de ko uta noko kanga bango te pour président Gabriel Mokia il faut que diplomatie na biso se limiter ka na RDC et zal élargir te diplomatie ko zal élargir dans le sens que tout le monde doit trouver son compte mais notre diplomatie to trouva ka compte ni le pays sous occupation pourquoi ces gens là ne donnent pas l'ordre à Kagame de cesser d'agresser la RDC. Il parle d'une manière superficielle. Le Congo est occupé. La Pareco se bat pour dénoncer l'occupation de la République démocratique du Congo et pour dénoncer en même temps le complot qui est derrière cette occupation et ensuite pour dénoncer la continuité de cette occupation au travers des structures qui ont été mises en place au Congo avec la complicité de la communauté internationale. La Pareco continue à dénoncer la continuité de ce complot au travers du SIAT qui a été placé dans notre pays par la communauté internationale parce qu'elle estime sur base non pas d'une idéologie mais sur base des renseignements, des informations fiables. Et d'ailleurs, à propos du fichier électoral, je vous ai amené un document qui vous montre le genre de choses qu'on peut constater déjà chez nous et qui montre bien le fond du problème en RDC, qui est le problème de l'occupation et de la balkanisation. Là, vous avez un document, vous avez un sujet rwandais avec ses documents, sa carte d'électeur du Rwanda, sa carte de cotisation aux impôts au Rwanda, et il fait une déclaration de pièces, de perte de pièces comme citoyen congolais, et à partir de là, il a la carte d'électeur congolaise qui automatiquement fait de lui un citoyen congolais. Ce problème-là, il y a des fraudes massives déjà à ce niveau-là. Le fichier électoral dont vous parlez là ne vaut rien puisque on a beaucoup de ces cas-là. Ce processus d'enrôlement-là, vous dites déjà qu'il est biaisé. Il est déjà biaisé et ce qu'on peut constater par rapport à ceux qui accompagnent le processus, on parle des pays qui accompagnaient le processus. Vous prenez, si on prend pour vous dire la volonté, comme elle n'y est pas depuis très longtemps. En 2006, on avait le Comité international d'accompagnement de la transition, le CIAT. Il y avait plusieurs pays qui étaient censés accompagner la transition. On a eu des élections, une carte électorale, enfin une cartographie des élections qui a été dressée, etc. Et parmi ces pays, il y avait l'Angola. Il y a eu des bureaux de vote dans la région de Kaemba. Peu de temps après, l'Angola a décidé a dit que Kaemba faisait partie de l'Angola. Mais Kaemba fait partie de la RDC. Pourquoi au moment où on mettait des bureaux de vote à Kaemba, l'Angola qui faisait partie du Comité international d'accompagnement, ils n'ont rien dit. C'est pour vous dire, même les personnes qui sont censées accompagner ce processus, que ce soit au niveau de la communauté internationale, même certains pays africains ne veulent pas qu'il y ait réellement des élections. Dans le fichier électoral, on parle des êtres humains. Le jour des élections, il faudra encore que ces personnes soient vivantes. Le premier problème aujourd'hui en RDC, c'est déjà la sécurité des personnes, la sécurité des Congolais. Que vaut un fichier électoral si on ne fait que recenser des morts finalement, ou des gens qui seront peut-être pas vivants le jour des élections. Donc il faut revenir au premier problème qui est le problème de la sécurité. Quand on arrive à une situation comme on est aujourd'hui, où il y a même des experts de l'ONU qui se font assassiner en République démocratique du Congo, vous vous rendez compte le degré d'insécurité qui ne touche plus que les Congolais eux-mêmes, qui touchent même les personnes qui sont amenées à venir travailler sur le dossier congolais, etc. Donc aujourd'hui, on ne peut pas envisager dans des pays normaux qu'on puisse parler d'élections dans un tel contexte. Le fichier électoral, comme on vous l'a dit déjà là, non seulement il ne vaut rien finalement, parce qu'en plus il n'y a pas les volontés nécessaires pour ça, mais aujourd'hui les populations sont d'abord en danger parce que le pays, il y a un processus d'occupation et de balkanisation du pays qui fait que tout ce qu'on met là, c'est pour endormir l'opinion, mais la réalité c'est que le peuple congolais aujourd'hui est en danger. Le Congo est occupé. On ne libère pas un pays occupé par les élections. Kassavubu et les autres ont pris le pouvoir, ont pris l'indépendance pour que 50 ans après, qu'on redonne le pays, pas aux Blancs, mais aux autres Noirs, voisins. Parce que ce qui se passe au Congo, vous le savez, ce n'est pas un secret pour personne. Non, Mboka et Sana Mboko Yaba Paya. La blague en français, tout le monde dans le lingala. Mboka et Sana Mboko Yaba Paya. Kabila a sali missionnaire.
C'est-à-dire, Batindiye, Balobike, Kende, Salaboye, Salaboye. Le Congo est occupé. On ne libère pas un pays occupé par les élections. Le pays est occupé. Vous êtes au Canada, vous voyez comment le pays est développé et on peut parler des élections. Mais aujourd'hui, vous parlez des élections, c'est comme si les cinq ans ne se rendent pas compte que le Congo est occupé, ou bien c'est l'ignorance, ou bien je ne comprends pas. Alors, un pays qui est occupé, comment on peut parler des élections? Aujourd'hui, le Congo, il n'y a même pas une carte d'identité. Un enfant de 2 ans a une carte d'électeur. Tout le monde est canadien ici. Quand on va voter, on va avec des cartes d'électeur et une carte d'identité. Tout le monde, on sait bien le Rwanda, tous ces pays environnants sont en possession des cartes d'électeur. Alors, qui est congolais? Qui va voter? Pensez-vous que si aujourd'hui on va vers les élections, on va chasser les médiocres? Pensez-vous que Kabila va échouer? Ma question c'est ça. Est-ce que le pays est occupé ou pas? Concernant l'occupation du pays, ce n'est un secret pour personne. Concernant l'occupation du pays, ce n'est un secret pour personne. Concernant l'occupation du pays, ce n'est un secret pour personne. Ma question est ceci. Est-ce que le Congo est occupé, oui ou non? Vous devez répondre. Est-ce que le Congo est occupé, oui ou non? Oui. Moi, qui dois répondre. Bon, est-ce que le Congo est occupé? Oui. Oui. Voilà, vous avez répondu, je vais plus acheter. Alors, si les pays sont occupés, comment pouvons-nous aller dans les élections avec les pays occupés? Il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection dans un pays occupé. On ne peut pas aller dans les élections. Le Congo est occupé. On ne libère pas un pays occupé par les élections. Nous ne devons pas transmettre un territoire désunis à nos enfants, parce que nous-mêmes, nous avons reçu un territoire uni. Frères et sœurs, ne cédons pas un millimètre de notre pays à qui que ce soit. Nous avons cette obligation historique devant Dieu et devant l'histoire. Ce que nous avons reçu de nos pères, nous devons transmettre cela à nos enfants. Nous avons reçu un pays uni. Nous transmettrons à nos enfants un pays uni. Et ce voisin, je vous dis, nos voisins, Dieu vous a donné votre terre. N'enviez pas la nôtre. Travaillez chez vous. Ces pays aussi peuvent vivre de ce que Dieu va leur donner de faire. Au lieu d'envier la République démocratique du Congo et avoir des stratégies pour profiter de la République démocratique du Congo. Surtout, ne prenez pas un centimètre de la République démocratique du Congo. Parce que le Congo ne sera pas toujours faible comme il est maintenant. Il va se réveiller un jour. J'ai été 2 fois citoyen allemand et je suis redevenu 2 fois citoyen français. Mais dis comment? Parce que lors de la Première Guerre mondiale, 14-18, l'Allemagne a envahi la France et a récupéré, selon l'Allemagne, son droit sur l'Alsace qui lui appartient historiquement, parce qu'il parle la même langue. On a récupéré ça. La guerre de 12 jours se termine, les Allemands perdent la guerre. La France récupère son territoire. On arrive à la guerre de 40-45, pareil. L'Allemagne envahit la France et récupère l'Alsace. En 1945, l'Allemagne perd la guerre, la France récupère sa terre. Le Congo, si vous venez, vous osez prendre une partie du Congo maintenant,
nos enfants vont le récupérer. Les années qui viennent. Le Congo est occupé. On ne libère pas un pays occupé par les élections. Mais comment se fait-il que notre pays, à la tête de notre pays, nous avons un étranger, un Tutsi rwandais, qui est le président de la République? Hippolyte Kanambe, c'est un Rwandais. Hippolyte Kanambe, dehors. Je ne veux plus voir Hippolyte Kanambe dans ce pays. Chassez Hippolyte Kanambe. Chassez tous les Rwandais, les Roubaix-Rois, les Rwiza, tous les Rwandais dehors. Le Congo est occupé. On ne libère pas un pays occupé par les élections. De la légalité, elle s'accommode des pillages parce qu'aujourd'hui Kagame qui occupe notre pays par l'infiltration administrative et par l'occupation militaire est soutenu justement par des pays de la communauté internationale. Et donc en réalité... Le Congo est occupé. On ne libère pas un pays occupé par les élections. Azarias Roubaix-Rois, réfugié rwandais, enregistré au HCR Lubumbashi au début des années 1980 par l'officier de protection du HCR Lubumbashi, répondant au nom de Marcelin Epi, un sujet de Côte d'Ivoire. Azarias Roubaix-Rois a occupé successivement plusieurs hautes fonctions au sein des institutions de la RDC. En deux mots comme en mille, c'est une étape que je ne peux pas oublier, parce que je fus sanctionné pour ça. En fait, c'était la période... préélectoral, donc on préparait les élections présidentielles et il y avait une comment je peux dire une clause que la CI avait édictée qui consistait à dire, étant donné vous le savez très bien que ça fait depuis des décennies nous n'avions plus de cartes d'identité au Congo. Et malgré tout, il fallait bien qu'il y ait des électeurs. Et la CNI dira, en cas de doute sur l'appartenance d'un candidat dans une contrée donnée, il était exigé que le concerné présentât quatre témoins. Et à ce moment-là, nous venions de la guerre, comme vous le savez... Mouzé y avait laissé la peau, on sortait de 1 plus 4, et il y avait des débats sur la nationalité des gens, tel est-il congolais, tel ne l'était pas, et moi j'étais secrétaire général académique. Comme je savais que mon épouse avait été, enfin ma première épouse, que Dieu ait son âme, avait été de la génération de Azarias Roubaix-Rois, et que tout le monde disait qu'il avait été président de la jeunesse, disons des enfants réfugiés rwandais, mais que tout d'un coup, tout le monde était devenu congolais. Voilà que nous nous retrouvons dans une grande émission d'un grand journaliste que vous connaissez fort bien, qui s'appelle Kashinda Tshongo. Et l'émission, c'était Impact, c'était une émission à grand impact. Et j'avais bien fouiné au secrétaire général académique, puisqu'il y avait débat autour de ce personnage. Je suis allé voir le service d'inscription et autour du personnage, et je vais découvrir deux choses quand même absolument mémorables. C'est comme ça que je vais, en pleine émission, donner des documents à M. Kisimba, qui fut responsable ou coordonnateur, je crois qu'on l'appelait comme ça, de la CI Katanga. Un, la photocopie du diplôme d'État où Azarias était né à Minembwe, sur le diplôme d'État. Mais deux semaines après, il est venu s'inscrire à l'université de Lubumbashi et donc... l'ancien commissaire de zone, je crois on disait comme ça, Kapeta Kazadi, il vous en souvient sûrement parce que nous avons été ensemble à la CNS,
Et il lui délivrait en tant qu'autorité de la ville l'attestation de naissance, en fait tous les travaux là que vous connaissez, qui étaient indispensables pour s'inscrire à l'université. Et qu'est-ce que je vois? Quand il a son diplôme d'État, il est né à Minembwe, mais quand il a le certificat de naissance et tout le reste, et qu'il s'inscrit à l'INULU, il est né à Rugezi. Alors moi j'ai dit au responsable de CEI, il est né où? Il est d'où? Comme c'est arrivé à beaucoup d'anciens réfugiés, je vous citerai pas des exemples de ceux qui étaient congolais, dès que l'Angola est devenue indépendante, tout d'un coup ils étaient devenus des Angolais. Voilà, je résumais un peu la problématique, c'est ce que j'ai rappelé, nous on en a fait, parce qu'après, Rouberoy a demandé à notre ancien ministre, Lola Kisanga, je crois, c'est ce qu'il s'appelle, qui est d'ailleurs sénateur aujourd'hui, il lui a demandé de m'enlever parce que ces militants de Lubumbashi vont l'appeler pour lui dire, si vous laissez ces messieurs ici, nous, on ne saura même plus faire notre campagne. Et lui va ordonner à Lola Kisanga de me chasser comme secrétaire général. Et on m'enleva, on me chassa. Le Congo est occupé. On ne libère pas un pays occupé par les élections. Non, nous sommes pas en pleine dictature. Nous sommes en pleine occupation. Là, je suis dans une approche purement scientifique, sociologique et politique. C'est un pouvoir d'occupation, le pouvoir de Kabila. Le Congo est occupé. On ne libère pas un pays occupé par les élections. Le Congo est occupé. On ne libère pas un pays occupé par les élections.
Yangwana na lobby, peuple congolais, jeunesse congolaise, Bobby distraire. Moi, je suis candidat en rien. Je suis candidat à vous guider pour la libération. Tout court. To libérer Mboka, le reste vient après. To bengana batope, to zé capable. Taraba Rwanda, ba dima kite, que ba ko zwa facilité, ya ko dominer biso le kwa ndenge za elelo. Mais ce n'est pas trop tard. Parce que ba signe e zé likolo. So ki to sakani, ba mindere ba zé epay, ba Rwanda epay, ba Uganda epay. Ce qui est sakani toko zanga mboka. Mes frères, to telemo. To misagisa, to longola kobanga. To longola boinga. To longola ba conflit inutile entre biso ba congolais. Congolais est ennemi à congolais. Te congolais est ennemi à congolais. Oya telemeli libération yende ennemi à congolais. Na sengi parce na yebi ke ndenge mayonnaise kamati. Ndenge naje kozwa message, naje kozwa message ya bana, ya mikolo, ya basi, ya bana, ba soda, ba sango, ba be, ba zoko tinda message. Papa manda ko reculete, ko reculete toze simana yo, to koki ko tombola mongongo te toze simana yo, e bele ba zeko, naje ko pesa bino merci, bo telema, bo continue, pe bo mi bate la. Po toze na besoin ke mozinyo sa la vivant, mo ko to ko libere mboka. Que vive le Congo, que vive la résistance pour la libération. Ingeta, et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Voilà, Maman Sedunji Melas Tolandi ensemble, le Lengenini, ba policier congolais, ba outi ko dénoncé likambo occupation. Tomoni, présence ya Gabriel Mokia, tomoni, présence à Madame Candide Okeke, tomoni papa Honoré Mbanda, tomoni Kwebe Kipele, Maman Jisine Kassavou, Bazali, tellement ébélé, nan mouze Laurent Désiré Kabila, tomoni sousou, député Moko ya Union Européenne outi ko lobela occupation. Comment est-ce que ça par rapport à Nayango? Papa na yebite ndengeni to ko lobana bande ko biso ba congolais banambala. Commentaires ali depuis kalaboto zo ebisabino ke mboka na biso ezali okipe mboka ezali okipe mena ebite ndenge nini tokosala pona boyoka biso bien pato kende na matato o tozo kanisa mama Jemela c'est mozo ba mboka ezali okipe tosuka kana basilugante mboka ezali okipe est-ce que vous démontrez pas ya bande ko bazo kolanda biso ke réellement République démocratique du Congo ezali okipe d'abord et pas banani. Occupation à mboka na biso ndenge banda ko lobango banda kala mama kandi yepe a lobaka yango jonan José Makila tolandaka yepe a lobaka yango Gabriel Mokia yepe a lobaka yango na mbanda et puis ba congolais mususu bazai ko lobama kambo na banda kala likambo mboka na biso ezali okipe melelo to ko kama ba mususu bazolinga ba mumbama. Mais il y a un peu de Kabila Tango Ayaki. Alors, il y a un peu de Kambouana qui est en train de s'occuper. Ils sont occupés par Banani. Banani va occuper Mbokanabiso. Mbokanabiso va occuper un peu de Zali à Kobombate, papa. Si Barwande. Barwande n'est pas un peu de Kotis, il va coloniser le Soubiso Toloba. Donc, si ma colonisation est fondée, il y a un peu de Bomisa, Fumukimba, Bomisa, Bakongolo, Babunda, Kapona, indépendance, Mbokanabiso, Lelo, Barwane, et Bafande, les Bissous. C'est ça, si on a compris. Oui, ils allaient les Bongo. Maman, c'est de l'Indie, mais là, est-ce que vous avez un peu de temps pour combattre à quelques Rwandais, ou ils ont reconnaître que non, ils ont colonisé Bissou Lelo, dans le cas de Congo. Mais est-ce que ça, les Kamako Bunga? Bozo landa pe ba mindele ndenge bazako loba ler nyoso tu ba kotanga soki batangeli yo Kabila batangeli yo Kamere batangeli yo Rubero batangeli yo Zoe batangeli yo Katumbi bon est-ce que ezali kamba kobomba ezali kamba kobomba te bozo landa na toloba mukola lelo ezesu mukolo ndenge ya kaleza la kite ba réseaux sociaux etondi partout bazako loba kara ba makambo bon est-ce que ezali kamba soso ya kobomba nde ezali kamba oke biso ba congolais to fungola miso to telema bandeko nazolo ba likambo etongo midi pokwa ke to telema to zwa décision parce que to zo vanda kara boye moyen ezali te obi ke bazako apovre biso na ndenge moko ekokite tala ba papa bazoko ke susu koboko la bana te bana bakomi kopesa commandement na ndako poa ba Rwanda ba pauvrir biso bandeko na nga to telema ah mama sino nje mela se lelo kolansa malo bana yo na ba commentaire oyo ba invité na biso ba tuko sala ba o confirmer réellement que non mboka ezali okipe po tengele biso quelques noms ya ba okipa na kati ya mboka na biso
Proposition, il y a quelques politiciens qui ont été en 2023 ou avant 2023, ben l'élection anticipée. Est-ce que nous avons l'élection et que aussi sa occupation dans le monde de l'élection? Ma cambo a l'élection, papa. Ce qui est total bien, biso biso to to tikali na bashok na motem. Comment ça? 2006, muto aleka ke zala ki bemba. Ba Rwanda ba sali je na bango. 2011, muto aleka ki to mona ki papa Tshisekedi. Ba sali misala na bango. 2018 so 19 fois aleka ki muto aleki ezali Fayulu ba sali je na bango. Mais ce qui pona ngai ndenge na zo kanisa. Élection surtout tia mutema na personne élection te likambo ezali ce que to bunda. Toluka nini ke to ko récupérer mboka na biso comme ça siko to yo tambola malamu ndenge mboka na biso ezote ke bonga ke tambola tala lelo batu azako souffrir mingi papa pa bino bo vandi na ba bureau bozo mona te biso batu to zo leka na banzela bo tala na ndenge batu bazo souffrir hein donc ikanda ese tondi na motema to ebite ce qui to ko expliquer ndenge nini ozo mona bande kuna biso bazo kufa kuna na Kivu na ba Kivu kuna na este bozo ka opinion internationale ezolo belangote ezolo belangote bazo tika yango ka bobie bongi biso moko bata nanu biso moko soki to sali pa na kanisi intervention pe ekoya mais sur le wiki bande kuna biso bazo kufa eza ba Rwanda te bazo ba mabango selon Felix o bato bazo ko benga ye bazo ko croire na comment dire na autorité na ye bazo reconnaître le roi président de la république Felix alobi ke les Congolais en RDC s'entretuent entre eux. Donc, les Congolais dans l'Est et Mboka, ils ont été entre Bango et les Rwandais. Ils ont été entre à reconnaître Banyamulenge. Il y a bien Banyamulenge. Ils ont été Rwanda. À reconnaître Bango le Rwanda. C'est quoi pourquoi ils ont été chargés par Rwandais Bango le Rwanda. Ils ont été dans l'Est et Mama Djemelas. Je suis dit Banda et Banda qui. Banda Kabila a été comme président. Ils ont été en train de se faire. Si le lobat bakufaka Félix penza bosani yango ke ezali ba Rwandais mais ce que Félix a le babongo na kokamwa mingi parce que yebe tango tozala ki nene opposition yeba ki yango zaki pe ko le bango mais tozala ki nene opposition yebe sazai ko le baba Rwandais hein le lo ya ko wanga nango ce ka ko wanga nango na kokamwa makasi ya koko wanga nango te ayebe pe nani amemel biso azola ki sabiso e comme première dame ayebe koloni na ye nango maman je me laisse est-ce que lolenge ya makanisi nawe ya lelo ezali sino ba mama na Congo o bazoko réfléchir lokola yo o bazoko sala lokola o zasur o bazoko reconnaître que nos pays ont l'occupé lolenge nini est-ce que ba mama bazoko sala lokola o bazali soki bazali bozoko sala ndenge ni pona relaxer na ba imboka to pe ba mama mususu na bilenge mususu na kati ya mboka ya mboka ezali occupé to kende na ba élection te to sala ndebo ba mama mususu bazali mwa ndambo ke bozo sola na bango pe bazako raisonner bazali pour ndenge zala to zo tambola siko yo de bouche à bouche ko solo la ko yebisa batu tala ndenge mboka na biso ekomi tala ndenge to zo kende soki to landika ka election to kozala na pasi kaka to ko continuer na pasi oti bana na biso bakokota nango to bakoko to bakokoloko na biso to kende siko na voix mususu parce soki to zui voix mususu peut-être to kozala sauver pe batu mususu pe bakoya kokota ko intervenir parce soko moni na kati ya ndaku na yo ozali ozala ba problème na ndaku no yo moko zoko ka ko résoudre yango te batu mususu bakokota po ba ya ko résoudre ba yo zula yo solution te il faut yo moko banda yango nazo senga penza na population congolais et surtout mingi ba mama nazo senga ke moko ta likambo parce que moi c'est soka koti likambo yo abaluki sima ayebisi mobali na ete na moni likambo yo pasi ezali to kota akokota naza ko senga na yango ba mama bokota likambo botika likambo boite pa pati ezo zongela biso yeba ke siko biso ba mama tokomi tolesa mibali mwasi akomi kokendo teka ti 1h du matin aya ko expliquer mobali kalaki mwasi soka ye na lere wana mobali akobeta to akotomboka lelo mibali ba tomboka sute mwasi azoya na 1h du matin abimaki 7h po azonga na 1h du matin et puis mobali azo trouver ngo normal te eza normal te mitema na biso ese vimbi po nzamba sala ki mokilike mwasi nda lesa ka mobali te nzamba sala ki mokilike mobali nda lesa mobali meta alesa mwasi meta la nene ye mibali nde bakomi ko lesa basi nde bakomi ko lesa mibali po na nini ba Rwanda ba ye ba baby simboka ba baby si economy baza ko kamola mibali lokola citron ti ye sili mai vraiment ba mama bolamuka nazo senga bolamuka to sauver mibali na biso to sauver bana na biso. Merci beaucoup maman. Je me laisse tout comme une souka tout comme on a eu été ceux qui au petit point de vue n'ont été par rapport à la vaccination, tout pour ma vaccin au yo.
Félix Amemeli Andimi que le vaccin est ya na katia école Congo démocratique pe ezali bazon va remettre en pratique na canal ya docteur Denis Muyembe wazali moko ba médecin oyo ba scientifique au lelo ba pe responsabilité au pe charge wana ya malheur ya ba peuple congolais lelo point de vue ezanini esengi na ba congolais ba accepter vaccin ou bien ba rejeter en bloc naza ko senga na ba mama ba papa bilenge ba jeune bazwa vaccin wana te et puis na landa ki na journal mondial ba tangi pays nyonso ezana virus wana ba tia Congo na katite mais eloko ndezo kam sabiso awa obeli diabète au hôpital comme corona obeli tension au hôpital comme corona parce que soki ezala ki awa penza effectivement penza ezali mais le mini journal mondial ndenge tangi ba pays nyonso tumbe ba ndenge ba tanga pe Congo na kat comment bango bazotanga Congo te et puis vaccin wana ba komema ngwa wa pona nini ba maladi bazali awa te ba bandango na États-Unis ba pesa na bango na bango kuna na Europe biso awa te mais ba kondima yango yokota apona ni pa bobumi na biso mingi kuna na Kiev donc sikoyo penza bolingi boya ko boma biso penza visa awa na vaccin en tout cas bondima yango te mama je me laisse tokomi na suka ba na poto bazo kolanda yo ba telemi ba ndeko na diaspora ba lobiki po na bango c'est la libération de la RDC ou rien ba ndeko msupi bazali na kati ya mboka lokola yo mama Siloni Jemilas autrement dit merci do telemi lobi il faut mboka ezala libérer tout bengana ba na mboka na biso le bana suka ezani pe ko bisa bango ni il le bana na suka ka na zo senga na ba ba to apoto ba diaspora boya botika biso te to ti a maboko biso so tout to libérer mboka na biso oyo soki to vandi boy bino pe boko za na passe awa ba mboka ngwe ba ndeko beba kuna boko luka bozo nga na mboka boko yo vanda wapi boti ya maboko tozo wa solution na mboka to landa lisusu 2023 te to boi makambo election boya to sengi boya vraiment maloba na nga suka kana zo senga boya 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 to bunda pona mboka na biso merci mama Sidonie Jemela sinde ko répondre l'invitation na biso na kati mbala sima tozo na posa na lisusu merci mingi merci. Voilà, la grande c'est parce que nous, comme le topé, fanatique qui a émission Les Valeurs RDC, nous avons émission pour la valeur politique de la République démocratique. On a rappelé que nous avons un numéro politique à l'eau, Maman Sidonie Jemela Sazali, Moka Babundeli, Yamboka, Maman combattante, Ya République démocratique du Congo. Ensemble, nous avons commenté par rapport à occupation il y a République démocratique du Congo tomoni ba témoignage ya ba politiciens ou lobby ba reconnaître occupation à RDC na kotanga ba ndeko José Makila ba Gabriel Mokia pasteur David Ekofo totangi et Musée Laurent Désiré Kabila Etienne Tshisekedi ya Mulumba totangi ba policier ebele papa Honoré Ngbanda Nzaboko atumba oyo ba betangi c'était le kambo ya occupation mais mingi parmi bango ba changer na bango kazaka tous ceux qui vraiment nous accompagnent tous à conscience ensemble tous les banaco libérer mon grand merci l'équipe technique qui accompagne ngai merci na ba commentaires ba suggestions na bino topé ba remarques na bino vous êtes toujours les bienvenus à travers le numéro de la mission contact na goûter na bino très prochainement ciao. Zambe ayo kelibiso sima ya lumumba tozui mobutu oye Congo nouveau et monani sika Afrika mobimba bandimi ehe obasangana na Congo Congo nouveau Afrika nouvelle unité Afrika vive l'OIA vive l'Afrique vive nouveau régime ya Congo.